Merci. C'est le moment des questions orales. La chef de la loyale opposition de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Et typiquement, je poserai cette question au Premier ministre, mais il a déjà son 10e congé de maladie. Hier, la vérificatrice générale a confirmé que les aînés étaient laissés pour compte durant la COVID-19. Nous avons tous vu le drame causé par cela. Hier, la ministre a refusé d'accepter ses responsabilités. Et en fait, durant sa conférence de presse, elle a jeté le blâme sur les autres, y compris sur la ministre de la Santé. La ministre des Soins de longue durée a eu 24 heures pour penser à sa réponse au rapport de la vérificatrice générale. Ma question est-elle toujours d'avis qu'elle ne va assumer aucune responsabilité pour ce qui s'est produit dans les foyers de soins de longue durée en raison de la COVID-19? La ministre des Soins de longue durée. Merci à la députée d'en face de cette occasion d'apporter quelques précisions. Comme je l'ai dit hier et comme je l'ai dit à maintes reprises, j'accepte mes responsabilités. J'ai le devoir et l'obligation vis-à-vis des résidents, leurs familles et le personnel des foyers de soins de longue durée. Et en fait, ce message a été clair depuis un certain temps. Je tiens à remercier la vérificatrice générale et son bureau de son rapport sur les soins de longue durée. Elle a parlé du fait que les problèmes en matière de dotation en personnel sont des problèmes de longue date. Et ce sont ces problèmes qui ont contribué à la propagation de la COVID-19. J'ai eu d'excellentes discussions avec la vérificatrice générale lundi. Nous allons déployer des efforts pour protéger les résidents. 4,9 milliards de dollars sera investi pour créer 27 000 nouveaux postes qui s'ajouteront aux 8 000 postes créés durant la première vague. Nous allons continuer à déployer des efforts pour épauler ce secteur. Question complémentaire. Monsieur le Président, les gens qui ont perdu les êtres chers dans les foyers de soins de longue durée ne croient pas que le gouvernement va corriger les problèmes dans le réseau des foyers de soins de longue durée. Ils n'étaient pas surpris par le rapport de la vérificatrice générale, mais ils ont été choqués par la réponse de la ministre des Soins de longue durée. Fred Kramer, dont la mère est décédée de la COVID-19 à Orchard Villa, a dit le suivant sur le rapport de la vérificatrice générale. Il n'y a pas de surprise. En fait, le gouvernement n'assume pas ses responsabilités pour avoir négligé les résidents. Kathy Parks a perdu son père en raison de la COVID-19 à Orchard Villa et elle a dit le suivant. La ministre des Soins de longue durée parle du fait que le gouvernement s'attaque au problème, mais il ne fait pas. C'est vraiment attristant. C'est ce que pensent les gens quant à l'inaction du gouvernement. Que dit-il le gouvernement à des gens comme Kathy et Fred? La ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée d'en face qui me donne l'occasion de parler de nos efforts déployés depuis notre élection. Nous avons toujours accordé une priorité aux soins de longue durée. Nous avons pris l'engagement de créer 15 000 nouvelles places. Nous avons réaménagé les foyers construits dans les années 70. En fait, vous appuyez le gouvernement précédent et nous devons donc reconnaître l'inaction du gouvernement précédent et de la chef de l'opposition. Nous avons déployé des efforts au niveau de la dotation personnelle, au niveau du réaménagement, au niveau du contrôle et de la prévention des infections. Nous allons créer 27 000 nouveaux postes dans le réseau des soins de longue durée. Ce sont des problèmes de longue date auxquels nous nous attaquons. C'est notre gouvernement, gouvernement conservateur qui le fait. Ce sont les faits. Traitons des faits. Question complémentaire finale.
Monsieur le Président, le gouvernement conservateur continue à dire la même chose. Il devrait déployer des efforts pour sauver des vies, mais il n'agit pas et il jette le blâme sur les autres. Nous savons tous ce qui s'est produit dans le réseau des soins de longue durée. D'abord, sous le gouvernement Harris, puis sous le gouvernement McGuinty-Wynn, les soins de longue durée ont été laissés pour compte par ces gouvernements. Mais cette ministre des soins de longue durée et ce gouvernement conservateur, sous le premier ministre Ford, ont éliminé des inspections, ont coupé le financement. Et ils ont ignoré les avertissements quant au foyer de soins de longue durée. Ils ont protégé les bénéfices plutôt que les vies. Et ils continuent à faire ces choses. Donc, quand le gouvernement va-t-il commencer à protéger les vies des gens et quand va-t-il passer en premier les vies des gens plutôt que d'accorder une priorité à leurs efforts pour se faire du capital politique? La ministre des soins de longue durée. Monsieur le Président, moi, je crois qu'il faut se tenir aux faits. Nous venons d'annoncer un investissement de 86 millions de dollars pour 8 000 nouveaux postes de préposés de services de soutien à la personne. Cela veut dire qu'on forme 10 000 PSSP de plus cette année. Le dernier gouvernement n'a pas fait cela. Notre gouvernement sera chef de file. Nous avons pris l'engagement de fournir 4 heures de soins par résident par jour. C'est quelque chose qui a été négligé pendant longtemps. Le gouvernement précédent a reçu bon nombre de rapports, mais il n'a pas agi. Et je demande à la chef de l'opposition de penser au nombre de fois qu'elle a mentionné les mots « soins de longue durée ». Elle peut étudier le journal des débats. C'est notre gouvernement qui déploie des efforts dans le domaine des soins de longue durée. Prochaine question, la députée, la chef de l'opposition. Ma prochaine question s'adresse à la vice-première ministre. En fait, elle aurait dû faire ces choses il y a un an. 4 000 aînés sont décédés en raison de la COVID-19. Et donc, elle ne peut pas se vanter de ce qu'elle fait. Ma question porte sur le fait que 407 jours après le début de la pandémie, qui a tué 8 029 personnes, c'est un jalon très triste. Mais le gouvernement a refusé de mettre en place des congés maladie payés. Et hier, le gouvernement a annoncé un programme tout à fait inadéquat alors que les travailleurs meurent de la COVID-19. Ma question, comment le gouvernement a-t-il élaboré ce plan? A-t-il même consulté ses propres experts en élaborant ce plan inadéquat? Le ministre du Travail. Monsieur le Président, nous allons continuer à défendre les travailleurs tant que la COVID-19 ne sera pas vaincue. Nous étions la première province de prévoir un congé pour les travailleurs qui doivent s'isoler ou pour les parents qui doivent s'occuper des enfants. On ne peut pas être congédié pour ces raisons. Nous avons aussi éliminé les exigences par rapport aux certificats médicaux. Hier, nous avons annoncé un plan global pour protéger les travailleurs qui pourront rester à la maison s'ils sont malades. Nous allons protéger les travailleurs et les petites entreprises tant que la COVID-19 ne sera pas vaincue. Question complémentaire. Le plan du gouvernement annoncé hier a été descendu par pas mal de gens. Le groupe scientifique n'a pas été consulté. Le gouvernement ne l'écoute jamais. Voici ce qu'a dit le groupe scientifique. Le plan est arbitraire, n'a pas le financement nécessaire. Et en fait, c'est un plan qui est insensé. En fait, la situation des travailleurs sera encore pire en raison de ce plan du gouvernement. Le premier ministre vient de prendre 10 jours de congé afin de s'isoler. Pourquoi
Le gouvernement, donc, pense-t-il que les travailleurs ne méritent pas la même chose, c'est-à-dire avoir la capacité de s'isoler et ne pas devoir choisir entre aller au travail lorsqu'ils sont malades ou payer les factures? Pourquoi les travailleurs ne reçoivent que 3 jours, mais le Premier ministre en reçoit une dizaine? Le ministre du Travail. Monsieur le Président, cet après-midi, nous allons déposer une mesure législative pour créer le meilleur plan du pays. Nous sommes la toute première province qui a déposé des mesures pour assurer des congés maladie durant la COVID-19. En fait, le gouvernement néo-démocrate en Colombie-Britannique a refusé d'offrir des congés maladie payés. Parlons du contenu de ce projet de loi qui sera déposé cet après-midi. Nous allons bonifier le programme fédéral. Nous voulons qu'il offre 1 000 par semaine pour 4 semaines. Nous sommes la première province de le faire. Et si approuvé par cette Chambre, nous allons offrir 3 jours de congés de maladie qui seront flexibles. Aucun certificat médical ne sera nécessaire. Les travailleurs, donc, seront rémunérés pour se faire vacciner. La chef de l'opposition va-t-elle appuyer ces mesures pour offrir des congés maladie payés aux travailleurs? Question complémentaire finale. Monsieur le Président, il est très important à ce que le gouvernement fasse ce qu'il faut. Les gens meurent à tous les jours. En fait, 41 personnes sont décédées au cours des 24 dernières heures. 8029 personnes qui sont décédées en raison de la COVID-19. Les USI débordent. Il y a 884 patients dans les unités de soins intensifs. Les travailleurs essentiels se mettent à risque au quotidien et ne devraient pas avoir à choisir entre un isolement sûr et aller au travail lorsqu'ils sont malades car ils ne peuvent pas payer les factures. Je ne comprends pas ce que pense le gouvernement. Pourquoi ne prend-il pas les bonnes décisions pour protéger les travailleurs, pour sauver des vies et pour freiner la propagation de la COVID-19 dans notre province? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre du Travail. Monsieur le Président, je suis profondément déçu que la chef de l'opposition et le NPD s'opposeront à notre projet de loi sur les congés maladie payés qui sera déposé cet après-midi. Hier, le ministre des Finances et moi-même avons annoncé que nous allions déposer une mesure législative pour prévoir une prestation pour la protection du revenu. Nous sommes la première province de doubler les prestations du programme fédéral. Nous allons aussi offrir 3 jours de congés avec salaire pour les travailleurs qui doivent s'isoler ou pour les travailleurs qui doivent se faire vacciner ou qui ont besoin de se rétablir de la vaccination. Si on est un travailleur aux prises avec des troubles de la santé mentale, vous serez ciblé par notre plan. Ou si vous êtes parent et si vous vous occupez d'un enfant qui a des symptômes de la COVID-19, vous pouvez rester à la maison et vous pouvez recevoir un salaire. Nous demandons l'appui du NPD. Question suivante, la députée de Scarborough Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Au cours de la pandémie, nous avons parlé des travailleurs essentiels en parlant de bon nombre de nos commettants à Scarborough, à Pierre, dans le nord-ouest de la ville de Toronto, qui ont dû aller au travail. Depuis le début de la pandémie, 3 millions de travailleurs essentiels ont dû aller au travail. Lorsque les autres ont pu rester à la maison, ces travailleurs n'ont pas pu le faire et n'ont pas pu être en toute sécurité. Ce sont des personnes qui ont dû prendre des autobus bondés ou se rendre au milieu du travail pour ne pas, et ce qui met à risque le bien-être de leur famille. Quelle est la définition de milieu de travail essentiel? Il y a un décret demandant aux gens de rester à domicile. Nous faisons face à la troisième vague. La stratégie du gouvernement, c'est de demander aux gens de rester à la maison. Donc, comment détermine-t-on si un milieu de travail est essentiel? Monsieur le Président, le bien-être des travailleurs est la priorité absolue de notre gouvernement. Nous avons fait près de 50 000 inspections de milieux de travail depuis le début de la pandémie.
Monsieur le Président, nous avons embauché plus d'une centaine de nouveaux inspecteurs. Et donc, nous avons le nombre le plus élevé d'inspecteurs dans l'histoire de notre province. Et je tiens à dire à la députée d'en face qu'elle s'est opposée à notre plan pour engager plus d'inspecteurs pour protéger les travailleurs. Nous avons fermé 90 milieux de travail non sécuritaires. Les inspecteurs font des inspections au quotidien. Nous sommes en partenariat avec les bureaux de santé afin de protéger tous les travailleurs. À l'ordre. Question complémentaire. Monsieur le Président, un an après le début de la pandémie, le ministre ne nous a pas donné une définition de travailleurs essentiels ou de milliers de travailleurs essentiels. Nous les appelons des héros et nous disons que leur travail est essentiel, mais nous ne les protégeons pas adéquatement. Dans un document du mois d'avril du ministère du Travail, en 2021, il y a eu 15 000 infractions au milieu de travail, mais il n'y a eu que 24 fois où les milieux de travail ont été fermés. Nous utilisons le terme « travailleur essentiel » pour parler des personnes marginalisées qui ont des emplois précaires et qui se mettent à risque au quotidien. Les milieux de travail sont des sources importantes d'éclosion de la COVID-19. Les travailleurs nous disent que ceux qui tombent malades sont ceux qui travaillent dans les usines de chocolat, par exemple. Donc, pourquoi ces usines sont-elles ouvertes et si nous sommes en train de faire face à une pandémie, pourquoi est-ce que vous ne fermez pas ces milieux de travail? Monsieur le Président, la santé et la sécurité des travailleurs a été notre priorité depuis le début. Lorsque la pandémie est arrivée en Ontario, nous avons permis aux travailleurs de rester à la maison et leurs emplois ont été protégés. Mais nous sommes allés plus loin. Les certificats médicaux ne sont plus nécessaires. C'était au printemps de l'année dernière, lorsque la pandémie est arrivée, et nous avons fourni énormément de ressources dans des dizaines de langues à ontario.ca/COVID-safety afin de fournir les informations nécessaires aux travailleurs et aux employeurs. Nous avons engagé plus de 100 nouveaux inspecteurs et ils ont fait 50 000 inspections. Ils mènent enquête et ils vont continuer à le faire. Question suivante, le député de Aurora Oak Ridges, Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Je sais que vous avez travaillé jour et nuit pour s'assurer d'un programme vaccinal couronné de succès. Mais mes commettants me posent la question, quand pourront-ils se faire vacciner? Quand allons-nous retourner à la vie normale? La ministre peut-elle nous mettre à jour quant au programme de vaccination de notre gouvernement? Merci, Monsieur le Président, et merci au député de Aurora Oak Ridges Richmond Hill de sa question. Depuis le début de la pandémie, nous sommes déterminés à faire vacciner les Ontariens le plus rapidement possible. Il y a une semaine, j'ai parlé de nos réalisations. Nous avons pu administrer 3 millions de doses. Aujourd'hui, je suis ravi de vous informer que nous avons atteint un autre jalon. Nous avons pu administrer plus de 5 millions de doses. Nous savons que bon nombre d'Ontariens attendent leur tour et donc nous permettons aux personnes âgées de plus de 45 ans qui vivent dans des points chauds de programmer des rendez-vous pour se faire vacciner. Nous sommes déterminés à ce que notre campagne vaccinale soit couronnée de succès. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président.
Merci à la ministre et merci aux travailleurs en première ligne qui administrent ces vaccins. C'est très rassurant de voir cette lumière au bout du tunnel. C'est un moment difficile pour tous les Ontariens. Cependant, notre gouvernement ne ménagera aucun effort pour vaincre ce virus. Nous avons pris l'engagement de faire vacciner 40 % de la population d'ici le mois de mai. La ministre peut-elle nous décrire les progrès de notre province quant à cet objectif? La ministre de la Santé, merci, Monsieur le Président, et merci au député de sa question. Nous comprenons que les vaccins sont une façon de vaincre cette pandémie. C'est pour ça que nous avons travaillé d'arrache-pied pour faire vacciner le plus grand nombre de personnes. Tous les Ontariens qui souhaitent se faire vacciner recevront un vaccin. La semaine dernière, nous avons administré 130 doses par jour au cours de 3 jours consécutifs. Cela signifie que nous allons dépasser notre objectif de faire vacciner 40 % de la population adulte en leur donnant leur première dose d'ici la fin du mois d'avril. Comme nous l'avons dit à maintes reprises, nous n'allons ménager aucun effort pour protéger la santé et le bien-être de tous les Ontariens. Question suivante, la députée de Parkdale-High Park. Merci, Monsieur le Président. David est propriétaire de petites entreprises de ma circonscription. Il a fait la demande pour la subvention ontarienne pour le soutien aux petites entreprises en janvier et sa demande a été approuvée le 14 mars. Mais il n'a pas encore reçu sa prestation. Sandra Lee est propriétaire d'une entreprise et son financement a été prouvé le 7 mars. Plus de 50 jours plus tard, elle attend toujours sa prestation. Et le gouvernement ne répond pas à ses courriels ni à ses appels. Les propriétaires de petites entreprises sont en confinement depuis des mois et ils feront faillite sans ces prestations. Ma question est simple. Quand les petites entreprises recevront-elles le financement que vous avez approuvé? La ministre associée déléguée à la petite entreprise et à la réduction des formalités administratives. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée d'en face. Nous travaillons d'arrache-pied. Nous avons engagé une centaine d'employés de plus pour verser ces prestations plus rapidement. Nous comprenons que c'est un moment très difficile. Nous avons traité 107 000 prestations qui ont été faites durant la première étape du programme et totalisant 1,5 milliard de dollars. 57 000 entreprises ont aussi reçu une deuxième prestation. Au total, 850 millions de dollars et 2,4 millions de dollars en soutien direct pour ces entreprises. Nous avons encore du travail à faire et nous allons faire en sorte que ces entreprises reçoivent leurs prestations le plus rapidement possible. Nous comprenons que c'est un moment très difficile. Question complémentaire. Le ministre ne comprend aucunement la réalité sur le terrain. Énormément de petites entreprises ont des problèmes avec le programme. Steve est propriétaire de petites entreprises. On lui a demandé de télécharger ses documents, mais le lien ne fonctionne pas. Il n'a pas eu de réponse à ses appels. Les propriétaires de petites entreprises comme Steve veulent pouvoir survivre à la pandémie et ont besoin d'aide dès maintenant. Il faut un système qui fonctionne. Lorsque vous faites des promesses, vous devez faire en sorte que le programme fonctionne bien. Donc, quand le gouvernement répondra-t-il aux demandes des petites entreprises? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je comprends les inquiétudes de la députée d'en face. Mais nous avons triplé le personnel. Il faut verser les prestations le plus rapidement possible. 2,4 milliards de dollars en aide financière a été versé aux petites entreprises. Nous allons continuer à faire en sorte que toutes les entreprises admissibles qui ont fait la demande pour le programme recevront leurs prestations. En fait, il y aura une remise de 100 % des impôts fonciers et des factures d'électricité. On peut faire la demande pour le programme de subventions de secours. Il y a aussi des programmes fédéraux pour le loyer ainsi que 75 % des salaires. Nous n'allons ménager aucun effort pour
donner l'appui nécessaire aux entreprises. C'est pour ça que nous avons versé 2,4 milliards de dollars aux petites entreprises. Question suivante. Député de Scarborough-Gilwood. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Il y a de cela quelques jours, vous avez dévoilé votre budget. Il n'y avait pas de mention quant au congé de maladie payé. Il n'y avait que la prédiction que la pandémie se terminerait sous peu. Ce gouvernement ne voulait pas soutenir les travailleurs ontariens. Il ne voulait pas offrir des congés de maladie payés que tous les travailleurs et les experts de la santé demandent depuis le début de la pandémie pour se protéger et protéger leur famille. Il est clair que ce budget dévoilé était obsolète avant même d'être divulgué. Maintenant, ce gouvernement met sur pied un programme qui ne protège pas suffisamment les travailleurs de l'Ontario. Donc, est-ce que le premier ministre fera une mise à jour fiscale qui rencontre les prérequis quant au congé de maladie payé et les tests et la vaccination? Ainsi, nous pourrons construire un programme autour de ces aspects. Ministre du Travail, je suis très content de parler cet après-midi de ce projet de loi, de ce programme. Ce sera le plan le plus complet et le plus efficace au Canada. Nous sommes la première province au pays à offrir des congés de maladie payés en cette période de pandémie. J'espère que l'opposition soutiendra ce projet de loi. J'aimerais souligner une autre initiative qui arrivera sous peu. J'en ai parlé hier. Nous allons nous assurer que toutes les PME et les employeurs soient remboursés, comparativement au plan des libéraux. Cela aurait très durement affecté les PME de la province. Les travailleurs ont besoin d'un emploi lorsqu'ils pourront retourner travailler. Merci. Question complémentaire? Qu'en est-il de la province l'affirmation du premier ministre? Nous avons demandé un programme de congés de maladie payés. Tous les députés demandent ce programme. Ce gouvernement est à court de ressources. Regardez aux États-Unis. Ils ont offert 80 heures de congés de maladie payés pour couvrir différents aspects liés à la pandémie. 3 jours n'est pas suffisant. En plus, ce gouvernement a ajouté différentes choses dans le programme. Mais ce programme doit être pris à part individuellement. Les experts demandent ces congés à chaque fois que vous résistez par rapport à cette idée, les travailleurs sont en danger. Nous avons donc besoin d'un plan plus réaliste et des congés de maladie payés équivalents à 10 jours. Ministre du Travail, j'aimerais rappeler à la députée de l'opposition que nous avons annoncé que nous voulons doubler le programme fédéral. 1 000 par semaine pendant 4 semaines, plus 3 jours de congé de maladie payée. C'est le plan le plus complet au Canada. Si un travailleur doit aller se faire vacciner, il sera payé. Si un travailleur doit prendre du temps pour se remettre du vaccin, il sera payé. Si une mère ou un père a un enfant malade à la maison, ils peuvent rester à la maison et être payés. Les travailleurs de l'Ontario souffrent à cause de la COVID-19. S'ils ont des problèmes de santé mentale, ils peuvent rester à la maison et être payés. C'est le plan le plus flexible et le plus complet. Nous remboursons en plus toutes les PME. Nous voulons agir. Et nous demandons à l'opposition de soutenir notre projet de loi aujourd'hui. Alors, question suivante, député de Mississauga-East-Cooksville. Ma question s'adresse à la solliciteur générale. La campagne de vaccination est déployée à grande échelle. L'accès aux vaccins dans les lieux jugés
pratique est cruciale. Est-ce que la solliciteur générale peut nous dire comment nous avons mis sur pied la campagne de vaccination, et ce, surtout pour les gens de ma communauté? Solliciteur général, merci au député de Mississauga East Cookeville. Je sais qu'il a parlé à multiples reprises des différents stades de la vaccination. Nous obtenons un approvisionnement de plus en plus élevé. Nous devons déterminer les endroits spécifiques où mettre sur pied des campagnes de vaccination. Il y a différents facteurs à prendre en considération. C'est pourquoi nous travaillons avec différentes pharmacies en Ontario pour avoir les infrastructures nécessaires. Ainsi, il y aura un accès beaucoup plus facile pour les communautés. Aujourd'hui, il y a près de 1500 pharmacies qui offrent des vaccins. Certaines de ces pharmacies offrent un service 24/7. Les pharmaciens ont administré 500 000 de doses de vaccins depuis le début du déploiement, il y a de cela quelques semaines. Question complémentaire. Merci à la solliciteur générale. Beaucoup de commettants sont prêts à être vaccinés lorsque ce sera leur tour. Ces pharmacies sont une excellente façon pour s'assurer que tous les Ontariens soient vaccinés. Bien sûr, les pharmacies ne sont qu'une avenue parmi plusieurs. Nous nous attendons à avoir un approvisionnement plus élevé qu'au mois d'avril. Est-ce que la solliciteur générale peut expliquer comment nous pouvons nous assurer que les vaccins soient accessibles et ce le plus tôt possible? Solliciteur général, merci au député pour la question. Je suis fière de souligner les multiples approches que nous prenons. Cela inclut les pharmacies, bien sûr, ainsi que les hôpitaux et les cliniques de vaccination. Nous travaillons également pour offrir directement les vaccins aux communautés, grâce à des cliniques éphémères, par exemple. Cela inclut des cliniques de vaccination sur des lieux de travail, comme Amazon, Maple Lodge Farm et Maple Leaf. Nous offrons les vaccins aux communautés avoisinantes également. De plus, il y a des cliniques, par exemple à Brampton, qui continuent d'être mises sur pied. D'autres cliniques seront ouvertes lorsque nous recevrons davantage de doses de vaccins. Merci. Question suivante, député de Waterloo. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le premier ministre en est à son 10e jour de congé de maladie payé. Nous savons qu'il en a toujours 4 en banque. Mais il semble croire que les travailleurs essentiels n'ont besoin que de 3 jours de congé de maladie payé. Ce qui est bon pour le premier ministre ne semble pas être nécessaire pour les travailleurs essentiels. Donc, ma question à la vice-première ministre. Pouvez-vous nous dire pourquoi le premier ministre dit qu'il agit pour les gens? Pourtant, il semble croire qu'il mérite mieux que la majorité des Ontariens. Ministre du Travail, si nous avions accepté la proposition des libéraux ou du NPD, il n'y aurait plus d'entreprises ouvertes, car vous auriez forcé des milliers d'entreprises à mettre la clé sous la porte, car vous vouliez que ce soit ces entreprises qui assument 100% des coûts liés au congé de maladie payé. Notre plan est généreux, flexible et ouvert pour les travailleurs. Nous allons continuer de soutenir les travailleurs et leurs familles pour passer à travers la COVID-19. L'Ontario est la première province au pays à offrir un paiement doublé, 1 000 par semaine pendant 4 semaines, plus 3 congés de maladie payés. Cela inclut le temps d'être vacciné, de se remettre d'un vaccin, ou alors s'il y a des problèmes de santé mentale liés à la COVID-19. Donc, nous demandons au NPD de nous soutenir et de soutenir par le fait même les travailleurs de l'Ontario.
Question complémentaire. J'aimerais dire au ministre, votre gestion de la pandémie a forcé énormément d'entreprises à fermer leurs portes. Nous en sommes à la troisième vague. Ce premier ministre peut continuer d'obtenir son salaire. Je vais interrompre la députée. Vous ne pouvez pas faire de référence explicite par rapport à un membre qui n'est pas présent. Et je n'ai pas besoin de l'aide du gouvernement quant à ce sujet. Vous pouvez conclure votre question. Merci, M. le Président. Donc, il demande encore aux travailleurs de se présenter sur leur lieu de travail. Comment en êtes-vous arrivé à trois jours de congé de maladie payée? Avez-vous jeté les dés et choisi un nombre ainsi? Si le premier ministre mérite deux semaines de congé de maladie payée, pourquoi est-ce que ce gouvernement dit que les Ontariens méritent moins? Ministre du Travail? Le ministre des Finances et moi-même, hier, avons présenté le bénéfice pour les travailleurs de l'Ontario. C'est le plan le plus complet du Canada. Nous allons doubler les paiements fédéraux, 1 000 par semaine. C'est une injustice que le gouvernement fédéral paie les travailleurs ontariens sous le salaire minimum. Nous allons ajouter trois jours de congé de maladie payé. C'est un total de 23 jours. Mais nous allons également agir pour soutenir les PME. Ils pourront ainsi prospérer pendant et après la pandémie. Nous voulons nous assurer que les travailleurs sont en sécurité. Nous allons combattre la COVID-19 et tous les travailleurs auront ainsi un emploi lorsque la pandémie sera terminée. Question suivante, député de York Centre. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Il y a des rumeurs. Ce gouvernement n'est pas transparent. Je parle ici de problèmes liés à la santé mentale qui ont été créés par ce gouvernement. Une docteure d'Ottawa a dit, je cite, « Nous avons des patients qui présentent des problèmes de santé mentale. C'est une crise de la santé mentale. Certains ont fait des tentatives de suicide, surtout les personnes âgées dues à l'isolement. Cela est causé par le confinement le plus long sur la planète. Le premier ministre devrait considérer cette catastrophe telle qu'elle est. Donc, s'il vous plaît, allez-vous finalement mettre fin à ce confinement? Vice-première ministre et ministre de la Santé. La réponse courte, c'est non. Bien sûr, nous n'allons pas mettre fin à ce confinement. Nous sauvons des vies ainsi. Des milliers de personnes ont perdu leur vie jusqu'à maintenant, et c'est tragique, vraiment. Député de York Centre, vous êtes averti. Nous aurions pu perdre encore plus de vies si nous ne l'avions pas fait. Nous voulons sauver des vies. C'est pourquoi nous devons garder ce confinement en place. Nous savons qu'il y a des problèmes liés à la santé mentale. Et ce, dû à différents problèmes. Mais nous n'avions pas le choix. Nous devions être capables de diminuer le taux de transmission dans les communautés et traiter tous les patients hospitalisés. Et c'est pourquoi nous avons ce confinement en cours. York Centre, député de York Centre, vous avez été averti. Question complémentaire. Ce gouvernement et ce ministère devrait avoir honte. Le confinement n'est pas la seule option. Cela n'a jamais fait partie du plan. Nous savons à quel point cela est difficile. Le Dr. Jay Little, un pédiatre, a dit, et je cite, « Nous n'avons jamais vu un nombre aussi élevé d'enfants avec des dépressions et qui faisaient des tentatives de suicide. » Ce n'est pas la pandémie qui cause cette situation, c'est ce gouvernement, c'est ce confinement, ce sont les écoles fermées.
arrêter de prétendre que cela ne se produit pas. Donc, je vais demander au nom de 2 millions d'enfants ontariens, allez-vous finalement mettre fin à ce confinement? Ministre de la Santé, je vais me répéter et je vais dire non encore. Nous essayons de sauver la vie d'enfants, d'adultes et d'aînés. Ce confinement est nécessaire. Nous avons également un plan pour le bien-être. Nous savons que beaucoup de gens ont des problèmes de santé mentale. C'était le cas même avant le début de la pandémie. C'est pourquoi nous avons un programme en bien-être et en santé mentale pour offrir des ressources aux gens si jugés nécessaires. Certains problèmes ont été exacerbés par le confinement, mais ils n'ont pas été causés par ce confinement. Nous voulons que les personnes qui ont besoin de ressources en santé mentale reçoivent ces ressources. Merci. Député d'Aurora Oak Ridge. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Notre stratégie de vaccination vise à immuniser les personnes âgées qui sont plus à risque s'ils contractent la COVID-19. Il y a également les zones chaudes où le taux de transmission est très élevé. Beaucoup de gens ont hâte d'avoir leur vaccin. Donc, est-ce que la ministre peut nous dire comment notre gouvernement s'assure que tous les Ontariens admissibles puissent recevoir un vaccin? Merci. Merci au député d'Aurora Oak Ridge. Notre gouvernement l'a dit dès le début. Nous voulons protéger les personnes les plus vulnérables. C'est pourquoi nous utilisons différents modes de livraison pour s'assurer que tous les Ontariens qui souhaitent être vaccinés puissent l'être. L'une de ces façons de faire est liée aux campagnes mobiles. Nous avons administré des vaccins aux adultes âgés de 18 ans et plus grâce à ces cliniques éphémères. Nous offrons également des vaccins aux éducateurs en service de garde. C'est un effort continu. Nous continuons de collaborer avec les sites de vaccination et nos partenaires pour que nous puissions avoir le programme de vaccination le plus efficace. Question complémentaire. J'aimerais remercier la ministre pour cette réponse. Je suis content d'apprendre que notre gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que les vaccins soient administrés. Nous avons également augmenté le nombre de tests. Nous voulons que les gens reçoivent leurs résultats rapidement. Notre système de dépistage permet aux unités de santé d'avertir rapidement si un cas est déclaré positif. Les individus peuvent ainsi demeurer en santé, ou plutôt réduire la propagation. Est-ce que la ministre peut parler de cette stratégie en particulier? Merci encore aux députés pour la question. Notre gouvernement sait que le dépistage est crucial pour contrer la COVID-19. C'est une priorité. Le plus tôt nous pouvons identifier les cas positifs, le plus tôt nous pouvons stopper la propagation. C'est pourquoi nous avons investi massivement. Nous avons ainsi réussi à tester 4 millions d'Ontariens. Nous voulons protéger la santé et le bien-être des Ontariens. Cet effort continu fera en sorte que les gens aient accès aux tests rapidement. Nous voulons tester les communautés vulnérables également. Nous allons continuer de travailler avec Santé Ontario et les différents secteurs pour augmenter les centres de dépistage. Nous aurons des campagnes de vaccination ciblées également pour les communautés plus vulnérables. Merci. Question suivante, député de London North Centre. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La campagne de vaccination est inconsistante et confuse. Nous avons exclu trop de gens. Colleen Richard, qui a 58 ans, voulait obtenir un vaccin. Pourtant, plusieurs semaines plus tard, elle n'a toujours pas reçu de réponse. Colleen m'a demandé, comment se fait-il que nous soyons sur une liste d'attente, mais que d'autres personnes soient vaccinées avant nous?
C'est un chaos total. Cela n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que l'Ontario se base sur des listes d'attente alors que des gens comme Colleen se retrouvent mis de côté? Ministre de la Santé, nous avons une très bonne campagne de vaccination jusqu'à maintenant. Nous avons vacciné 5 millions de personnes. Nous sommes sur le point d'atteindre notre objectif, soit de vacciner 40 % de la population d'ici la fin du mois. Nous avons également offert 2,9 millions de tests. Nous avons des pharmacies participantes également. Ces pharmacies peuvent offrir des vaccins. Dans certains cas, ces pharmacies sont ouvertes 24 heures sur 24. C'est un excellent succès. Nous voulons continuer de protéger la santé et le bien-être des Ontariens. Et nous sommes sur le point d'administrer les 5 millions de doses. Question complémentaire? C'est un miracle quand on considère la confusion et le manque de coordination. Ce gouvernement devrait être familier avec le processus. Pourtant, le déploiement de la vaccination a été un désastre. Colleen et Richard attendent et doivent se tourner vers les réseaux sociaux pour avoir de l'information. Une pharmacie à London n'avait pas assez de doses offertes. Tristan, une des personnes qui voulait être vaccinée, a dit « Je trouve étrange de me retrouver sur une liste d'attente. Pourtant, je pourrais me présenter en pharmacie. Ce devrait être plus simple que cela. Nous ne devrions pas avoir l'impression de gagner à la loterie. » Comment se fait-il que les citoyens doivent se tourner vers les réseaux sociaux plutôt que leur gouvernement? Ministre de la Santé? Je ne comprends pas comment vous pouvez qualifier 5 millions de doses en moins d'un mois comme étant une défaite. C'est un excellent succès. Nous allons continuer de déployer ces vaccins. Nous avons des millions de rendez-vous qui ont été mis sur pied. Il y a également les cliniques éphémères, les cliniques de vaccination sur les lieux de travail également. Nous avons eu des problèmes par le passé à cause de l'approvisionnement des vaccins. Nous n'avions pas une chaîne d'approvisionnement constante. Mais les choses changent. La semaine prochaine, nous allons recevoir plusieurs doses de Pfizer. Nous avons reçu des doses de Moderna également. Des pharmacies et des cliniques pourront les administrer et nous pourrons continuer de faire notre travail, soit s'assurer que tous les Ontariens qui souhaitent recevoir un vaccin puissent en avoir un, et ce, le plus tôt possible. Question suivante, député d'Ottawa-Vanier. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Ce gouvernement a finalement pris des mesures quant au programme de congé de maladie payé. C'est 400 jours après le début de la pandémie. Ce n'est peut-être pas proactif ou décisif, par contre. Il faut que ce soit simple, rapide et sans effort. Pourtant, ce programme demande à ce que les employeurs paient un salaire interrompu, en soumettre une demande. Pourtant, la table de consultation a dit qu'il faut que ce soit fait de façon simple. Ce programme n'est pas suffisant. Aux États-Unis, le programme de congé de maladie payée a mené à une réduction de 50 % des cas de COVID-19 par État par jour. Donc, pourquoi est-ce que ce gouvernement ne met-il pas un programme universel qui offrirait un soutien des salaires pour un minimum de, et ce, pendant 10 jours. Ministre du Travail, merci pour la question de la députée. Le ministre des Finances et moi-même avons fait l'annonce hier du programme. Les gens doivent savoir que les employeurs vont payer leurs employés.
et les employeurs seront remboursés par la province par la suite. La SASPAT pourra rembourser les montants, et ce, le plus rapidement possible. Toutefois, nous devons continuer de collaborer ensemble. Le gouvernement fédéral doit accepter notre offre, soit de doubler le paiement pour atteindre 1 000 par semaine pendant 4 semaines. Ainsi, les travailleurs pourront rester à la maison s'ils sont malades et ils n'auront pas à choisir entre leur santé et leur paye. Question complémentaire. Des travailleurs essentiels dans ma circonscription ont dit se sentir abandonnés, et ce, à tous les jours. Beaucoup sont allés au travail alors qu'ils étaient malades parce qu'ils devaient nourrir leur famille. Cela mène à l'augmentation des cas dans ma circonscription. Ce nouveau programme n'est pas suffisant. Il faut changer les comportements pour diminuer les cas. La mise en place de ce programme nécessite la coopération de ce gouvernement et nos homologues au fédéral. Nous voulons coopérer activement avec le gouvernement fédéral pour mettre en place un plan complet, et ce, le plus tôt possible. Ministre du Travail? Oui. Député de Nickel-Bell. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Collèges et des Universités. Demain, ce sera le 30 avril. C'est une date importante à Sudbury. C'est la première phase pour l'action du crédit avec l'Université Laurentienne. Il n'y a plus de temps à perdre. Je vous le demande encore une fois. Est-ce que le ministre mettra un moratoire sur ce processus? Tous les programmes et tous les étudiants doivent être diplômés. Et ce, sans avoir à prendre des cours supplémentaires ou payer davantage. Cette situation ne devrait pas se retrouver avoir un impact négatif sur les étudiants. Allez-vous sauver l'Université Laurentienne? Adjoint parlementaire, merci, M. le Président. Comme je l'ai dit par le passé, nous comprenons les difficultés des familles, des élèves et des employés de l'Université Laurentienne. Que ce soit clair, 80% des élèves affectés, en fait, 90% des élèves n'ont pas été affectés et 10% des élèves affectés travaillent pour résoudre le problème. Oui, nous allons nous assurer qu'il n'y ait pas d'interruption de programme. J'aimerais également ajouter que nous avons augmenté les fonds en capitaux pour les universités, pour le soutien quant à la COVID-19. Nous avons augmenté les investissements. On parle de 74 millions de dollars pour que l'éducation francophone dans le Nord soit accessible. Nous avons également augmenté l'admissibilité de l'aide financière aux études. Ce gouvernement a répondu présent pour soutenir les élèves. Question complémentaire. Pour la ministre des Affaires francophones, la phase 1 du processus avec les créanciers pour l'Université Laurentienne se termine demain, le 30 avril. La communauté francophone est unanime, que ce soit l'AFO, l'ACFO du Grand Sudbury, le REFO, la FESFO, le groupe de travail, le regroupement des professeurs ou les leaders de la communauté, de Jean-Marc Dalpé à Denis Saint-Jules, en passant par Maître Casa, nous parlons d'une seule voix. Nous avons partagé clairement nos attentes avec votre ministère. Nous voulons que l'Université de Sudbury devienne une université pour, par et avec les francophones. Comme ministre pour les Affaires francophones, qu'en pensez-vous? Parliamentary assistant. Adjoint parlementaire. Monsieur le ministre, l'Ontario fait des investissements importants et continue dans l'éducation postsecondaire en français. L'Ontario investira 74 millions de dollars en 2021. Cette somme ajoute aux 14 millions de dollars fournis par le gouvernement fédéral. Si le gouvernement fédéral veut sérieusement soutenir l'enseignement postsecondaire francophone en tant que minorité en langue seconde, il peut commencer par fournir annuellement plus
de cinquième de ce que le gouvernement provincial fournit. Mr. Speaker, what is really disturbing about what we're hearing from that member opposite? Ce qui est troublant, en fait, c'est que le NPD n'a eu qu'une occasion jusqu'à maintenant. Et nous voyons pourquoi. Ils ont une attitude très négative par rapport aux études postsecondaires. Ils veulent que les politiciens se mêlent du sujet, qu'ils fassent partie d'un processus qui est jugé indépendant. C'est inquiétant. Merci. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de Ottawa-Sud. Je vis à quelques pas du campus de l'hôpital d'Ottawa et j'entends lorsqu'il y a des hélicoptères orange qui atterrissent et j'ai entendu qu'il y a de plus en plus d'hélicoptères qui transfèrent les patients. Et ce sont des histoires de plusieurs familles, comme la famille de Jamie Nguyen, dont l'oncle de 72 ans a dû être transféré parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôpital, au soins intensifs de Scarborough. Et il est mort à l'hôpital Montfort, sans famille, sans soutien, tout seul. Puis ensuite, ils ont dû rapatrier son corps. Et ils ont eu une facture de 1 000 $. C'est beaucoup d'argent pour de nombreuses personnes. Alors, ma question à la ministre est, il s'agit de l'Ontario. Pouvez-vous vous engager à assurer que cette famille ne se retrouve pas sans sous à cause de cette facture et que les patients qui sont décédés sont ramenés à leur famille, à nos frais? Merci. Réponse, ministre de la Santé. Premièrement, c'est une circonstance tragique que cette personne est décédée si loin de sa famille. Et mes sincères condoléances vont vers sa famille. Et vous avez tout à fait raison, personne ne devrait avoir à payer pour ce transport et chaque effort est fait pour assurer cela. Nous allons assurer que la famille est remboursée. Je comprends qu'ils ont déjà payé les coûts. On va s'assurer qu'ils se feront rembourser. On va travailler avec les hôpitaux pour cela et assurer que ça ne survienne à personne d'autre. Question complémentaire. Député de Scarborough-Guild. Merci. Je remercie la ministre pour sa réponse. Ce que j'aimerais vous entendre dire, c'est que vous utiliserez votre autorité actuelle pour assurer que dans les hôpitaux, les patients, peu importe des transferts, vivants ou décédés, n'aient pas à encourir des factures à cause des circonstances dans lesquelles nous sommes. Je sais de première main comment ça se fait, ce qu'on ressent lorsqu'on a un proche transféré. Il y a deux nuits, ma famille et moi attendions pour cette décision. Et heureusement, notre proche a été transféré à un hôpital dans une communauté avoisinante. Les gens ont peur, les gens sont préoccupés par la santé de leurs proches. Ils n'ont pas besoin d'un système médical qui va encore plus les décourager parce que le vaccin les attaque déjà. Alors, ce que j'ai vraiment besoin que vous disiez maintenant à Jamie et à la communauté de Scarborough, que c'était une erreur, que vous êtes désolé et que ça ne va plus se répéter. Ministre de la Santé. À la députée de l'opposition, je tiens à dire, vous avez tout à fait raison. Cela n'aurait jamais dû se passer. C'est une situation très difficile. Il y a de nombreuses familles où il faut transférer les proches à un autre hôpital de l'Ontario pour qu'ils reçoivent les soins nécessaires. Mais ils ne devraient pas avoir à payer pour les frais, ni maintenant ni à l'avenir. Cette information sera rendue disponible à tous les hôpitaux. Comme j'ai dit auparavant, ça n'aurait jamais dû survenir et on va s'assurer que ça ne se répète pas. Merci. Prochaine question, député de York Sud-Ouest. Ma question est pour le Premier ministre. Ma circonscription est désignée comme une zone à haut risque. Nous attendons cependant les cliniques éphémères et mobiles. J'ai entendu que le gouvernement parle de réticence face aux vaccinations, mais ce dont on a besoin, c'est l'accès au vaccin. Et de plus, le gouvernement
devrait payer les travailleurs pour qu'ils puissent venir se faire vacciner sans avoir à perdre leur salaire et travailler pour qu'on aide à arranger les coûts relatifs à la vaccination. Est-ce que le gouvernement est prêt à être proactif et à instaurer des mesures efficaces pour protéger les travailleurs et leurs familles? Réponse, ministre de la Santé. Merci pour la question. Nous allons accélérer nos efforts à cause des des larges approvisionnements de vaccins qu'on va recevoir pendant le mois de mai, des vaccins Pfizer et aussi Moderna. Nous allons également avoir plus de cliniques de vaccination de masse, les centres de soins primaires et les pharmacies, et plus de cliniques mobiles et éphémères sur les lieux de travail et dans les parcs industriels pour que les gens puissent venir des petites entreprises ou à des périodes qui sont plus pratiques pour eux. On veut rendre les choses plus faciles et plus accessibles pour les gens et avec les nouveaux approvisionnements, on va pouvoir faire cela. Merci beaucoup. Cela conclut la période des questions ce matin. Je comprends que le leader parlementaire du gouvernement a rappelé le règlement. Merci, Monsieur le Président. Si vous demandez le consentement unanime, vous allez l'obtenir pour qu'on passe directement au dépôt immédiat de projet de loi. Adopté? Adopté. Dépôt de projet de loi, la parole au ministre du Travail. Merci beaucoup. Je remercie tous les collègues. Je demande la permission de déposer un projet de loi qui s'appelle loi modifiant la loi sur les normes d'emploi de 2000 et qui soit lue pour la première fois. Monsieur McNaughton a demandé la permission de déposer un projet de loi qui s'appelle loi modifiant la loi sur les normes d'emploi de 2000 et qui soit lue pour la première fois. Plaît-il à la Chambre que la motion soit adoptée? Adoptée. C'est un projet de loi qui s'appelle loi modifiant la loi de 2000 sur les normes d'emploi. Première lecture du projet de loi. Le ministre peut expliquer brièvement son projet de loi. Les gens ne devraient pas avoir à choisir entre aller au travail et leur santé. C'est pour cela que nous présentons à travers ce projet de loi aujourd'hui le plan le plus exhaustif au Canada et dans toutes les autres provinces pour assurer qu'il y a 3 jours de congé maladie payés qui sont mandatés au provincial et qu'on puisse doubler le nombre du fédéral de 1 000 $ par semaine pour 4 semaines. Merci. Dépôt de projet de loi. Rappel au règlement. Je demande le consentement unanime pour adopter immédiatement le projet de loi. Le projet de loi modifiant la loi sur les normes d'emploi qui est présenté. Adopté? J'ai entendu un non. Je vais dire encore une fois, dépôt de projet de loi. Vu qu'il n'y a plus d'affaires à l'ordre du jour, la Chambre en pause jusqu'à 13 heures.